Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Nils et nous continuons aujourd'hui les aventures du Lab As Code. Hello the touriste, salut à toi métage, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que vous êtes prêts aussi à continuer les aventures du Labo As Code sur de l'Ansible. On va dans un instant revoir ensemble un peu où est-ce qu'on en est et vers quoi on veut aller. C'est important quand même de rappeler les objectifs. Alors, salut à toi Rancune. Tiens, t'es pas en live ce soir? N'oublie pas de t'hydrater, The Tourist, alors. N'oublie pas de t'hydrater. C'est très important de boire un coup de l'eau, hein. J'entends de l'eau, hein. Après une boisson un peu houblonnée. Alors. Ah, lundi et mercredi désormais. Ok. Donc, oui, bah peut-être que je vais commencer par ça. Comme ça, tu peux me voir. C'est trop gentil. Merci, Rankin. Tiens, d'ailleurs, l'occasion... c'est point d'exclamation SO, c'est ça? Ou ça ne marche toujours pas? Hop. Si. Non. Ah non, ça marche pas. C'est dingue, en ce moment, ça a l'air d'être tout cassé un peu les commandes Twitch. Donc, toujours est-il que je vais en profiter pour faire un petit peu de pub pour Rancune, qui nous fait découvrir l'électronique. Et donc, il fait ça les lundis et les mercredis. Et je vous invite à aller poser vos follow de ma part sur, de fait, twitch.tv/rancune_. Streamlabs est souvent à la ramasse en ce moment. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on trouve une solution alternative à Streamlabs, qui est à part ça normalement un service tout à fait convenable. Salut à toi The Vengeur, bah oui ça va bien et toi? Salut à toi Xavier, j'espère que tu vas bien. Alors, histoire que les choses se fassent correctement, twitch.tv, pom. Hop, voilà. Comme ça, le lien, eh bien, il est dans le chat. Et vous pouvez aller cliquer dessus et poser vos follow. Tu as trouvé un GitHub avec un bot Twitch en C++, tu testes un peu ça ce week-end. Ah, c'est bon à savoir, ça m'intéresse. Alors, à la base, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était, comme d'habitude, le schéma du Lab As Code. On va s'y mettre, hop, rapidement. Attention, on passe sur, hop, cette vue-là. Alors, ouais, comme vous pouvez le voir, je me suis remis la caméra de ce côté-là. Celles et ceux qui étaient parmi nous dimanche se souviennent que ça avait été un petit peu différent, les emplacements de caméra. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a amusé de faire un petit peu de... comment dire, de revenir un petit peu sur le matériel. Donc, en gros, le principe, c'est qu'à la base, j'ai un labo entier en machine virtuelle. Donc tout ça, c'est de la machine virtuelle. Et on se concentre depuis maintenant pas mal d'épisodes sur les machines qui sont là, enfin en particulier celle-ci, puisque l'idée, c'est de pouvoir installer de façon automatisée, via Ansible, un site web, idéalement en Apache, PHP, MariaDB. Enfin non pas Apache, Nginx, PHP, MariaDB. Autant pour moi. C'est l'habitude, c'est en mode... d'habitude, on faisait tout le temps Linux, Apache, MySQL, PHP, mais non. De temps en temps, il faut aussi se rendre compte que des fois, on change des briques. On est passé de MySQL à MariaDB et on peut aussi utiliser Nginx à la place d'Apache. Donc, tout cela, c'est de la machine virtuelle. Tout cela est installé de façon automatisée avec des outils d'infra as code ou de gestion de déploiement. Pour ne pas les nommer, donc ça nous donne du Terraform, ça nous donne du Cloud Init et donc du Ansible. On va continuer à se concentrer sur cette machine-là. Les déploiements se feront depuis cette machine-là, ISP1, VPS1, et donc le déploiement ISP3, VPS2. Hop, alors, je suis connecté sur la machine, on va se faire un petit TMUX. On va aller dans SRV, Git, Lab As Code. Ah oui, petit détail, comme d'habitude et comme tous les jeudis, je vous reprécise que... le code qui est ici, modulo le fait que je pense à le committer, hop là, que je pense à le committer, ce qui n'arrive pas toujours tous les streams, mais tout est open source, sous licence BSD 3 clauses, et vous pouvez aller regarder le code par ici, sur, ça fait partie de mes repos GitHub, et donc vous pouvez tenter, pour peu que vous ayez assez de RAM, je crois qu'il faut peut-être 16 Go de RAM pour faire tourner tout ça. Donc quand je dis 16 Go de RAM, c'est qu'il ne faut pas seulement que votre machine ait 16 Go de RAM, faut aussi qu'elle ait, faut qu'elle ait 16 Go de libre pour lancer les VM. Moi en l'occurrence, je lance ça sur une autre machine. Je ne suis pas en direct sur ma machine de stream pour le labo. En tout cas, je ne le suis plus. Je l'ai été à une époque. Donc revenons sur notre code. On va peut-être se faire justement un git status. Hop, la branche et 1, 2, 1. J'avais pas... Bah si, refactor 1, git -r. Use, reapply, ah oui, c'est vrai. J'avais fait du cherry pick. On va les reapply par précaution. Non. C'était quoi le message d'erreur? Attends, si je refais un git pull -r, il me dit quoi? Il dit already up to date. Ok, bon. Hop. Et on va aller se faire un petit Ansible playbook. Hop. Alors c'est pas le web server Nginx démo. C'est le. Comment ça? Alors ISP3 VPS? Non. Tiens, je ne l'ai pas créé finalement le fichier... Si, LAMP, voilà. Je me disais aussi. Je me suis fait peur. Je me suis fait peur. Ah là là. Donc, Ansible, Playbook, -C, -D, role, LAMP.YAML. Donc on le relance, je le relance tout de suite, histoire de voir ce que ça donne. Et je vais aller d'ailleurs pendant ce temps me connecter sur isp3vps2.example.com. Hop, voilà. Salut à toi Sheldon, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue sur la chaîne. Donc... on en était à vouloir faire un truc en particulier. Petite explication donc sur ce serveur web. L'idée c'est idéalement de pouvoir installer des applications web PHP basées avec des bases de données MariaDB, MySQL. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir créer un rôle qui soit entre guillemets le plus générique possible. Et ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir potentiellement sur le même serveur installer plusieurs applications. Ce que j'avais fait, salut à toi Cool Geek, ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'étais allé jusqu'à l'installation de l'application, en l'occurrence une application qui s'appelle DVWA, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ben, c'était quand même un peu spécifique sur ça. Et ce que j'ai voulu faire, c'est créer un rôle vraiment générique, on va dire LEMP, donc Linux, Nginx, MariaDB, PHP, et ensuite un rôle DVWA qui viendra juste installer un DVWA dans un LEMP existant, on va dire. Donc quelque part, il y aura un rôle DVWA qui dépendra du rôle LEMP. Et d'ailleurs, ce rôle LEMP, en fait, il dépend déjà d'un certain nombre de choses. Hein. On a pu voir là à l'écran geerlingguy.mysql, qui est donc un rôle de Jeff Geerling. On devrait trouver. Alors, il parle MySQL, mais ah ouais, je l'ai peut-être pas, il a peut-être pas vu. Ah, on n'a peut-être pas touché à PHP. Et on a même les trucs, voilà, Nginx de chez Nginx, donc le rôle officiel Nginx, avec la config. Et donc, l'idée, ce serait que je puisse installer une ou plusieurs applications. Donc, potentiellement, que je fasse dans Nginx un ou plusieurs serveurs, enfin, j'ai envie de dire des virtual hosts, mais je sais que c'est plutôt la terminologie Apache. Et pourquoi pas avoir plusieurs pools PHP-FPM et aussi plusieurs utilisateurs et donc plusieurs bases de données MariaDB. J'espère que tout le monde me suit. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire. Salut à toi Fixoulab. Alors, ce que j'étais donc en train de me dire, c'est que j'ai réfléchi un petit peu pendant la journée, et un petit peu moins ces derniers jours, c'est que j'ai envie que le rôle soit donc générique, que potentiellement on puisse installer une ou plusieurs applications, qu'on puisse installer un ou plusieurs sites web différents et qui donc répondent sur un nom qui est différent. Et il se trouve que on a des serveurs DNS sur notre sympathique labo. Hop, slash etc host. Et que donc j'avais installé deux serveurs DNS à base de dnsmasq ou de unbound. CTL status unbound. Non, dnsmasq alors. Ouais, dnsmasq. Et donc, ce qui est assez sympa avec dnsmasq, c'est qu'il permet d'aller utiliser. Alors, si je vais dans etc/dnsmasq.d, hop, local.conf. Donc là, on a le listen adresse, mais globalement, si on va directement dans le dnsmasq.conf, je crois qu'il y a un truc qui est par défaut et qui dit, au fait, on a le droit d'utiliser etc/host pour définir des noms. On va enlever les commentaires. etc/dnsmasq.conf et on va enlever les lignes vides. Hop. Ah non, j'ai dit on enlève les lignes vides. Voilà. Convenir, gna gna gna, non. Bon, ça doit être par défaut, mais on peut de fait etc/host. On peut de fait rajouter des choses directement dans le etc/host. Et donc, ce que je me dis, c'est qu'on va aller reprendre au niveau de ISP3 VPS2.example.com. On va se rajouter quelques noms en plus. Et puis, eh ben, on pourra les utiliser pour faire plusieurs virtual hosts sur notre serveur web et avoir plusieurs sites web et donc plusieurs applications différentes. On pourra très bien imaginer installer à côté d'un DVWA, un WordPress, un Joomla, un Drupal, ce qu'on veut quoi. Donc, bah justement, tiens, ça va être quelque part le 1v host. Alors, on va faire 3w, hop, comme ça. On va faire un dvwa, tiens. On va faire un vhost dédié à dvwa. .example.com. Et que des trucs vulnérables finalement, disent The Vengeurs, oui, effectivement. Et puis je sais pas moi. Alors remarque, il y a le vhost par défaut. Enfin en tout cas le catch-all. On pourra créer un site là-dessus, on pourra le mettre en statique par exemple. Le 3W il va repointer sur le premier. DVWA, bah de toute façon je vais faire un 3w.dvwa pour avoir la classique redirection. Et qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? Alors ça veut... Ce qui m'embête c'est que si je mets un nom de CMS, genre j'écris, je sais pas moi, Drupal, Joomla, WordPress, PluxML, ça va quelque part m'obliger à mettre ça. Donc je pense que je vais mettre un truc bête et méchant, hein. Je vais mettre genre ISP3 site 2 par exemple. Comme ça, je vais pouvoir mettre ce que je veux. Mais le DVWA, c'est surtout parce que je le fais des... je vais vouloir le faire de toute façon. Donc on va faire ça. ISP3 site2.example.com et 3w. Bah, hop. Ah non, tiens. Alors, ISP3 site2.example.com. Voilà. Et alors, ce que je vais faire. Hop. Voilà. Je récupère cette ligne-là. Et alors, pourquoi est-ce que je la récupère? Parce que, en fait, j'ai deux serveurs DNS, moi, sur mon... What? ISP2... Ah oui, .example.com. Hop là. Voilà. ETC host. C'est que j'ai un deuxième DNS. Et donc, je voudrais... Hop... avoir sur les deux DNS. Comme je ne sais pas trop exactement sur lequel pointe, sur lequel tout pointe. D'ailleurs, l'occasion de signaler, si je reviens sur mon, mon navigateur web, j'utilise une configuration de proxy que je vous montre d'ailleurs, puisque j'ai fait quelques petits tunnels SSH pour me connecter sur mon environnement de lab et avoir un navigateur ici qui est vraiment sur mon poste. Et donc, un truc intéressant que j'avais découvert assez récemment dans Firefox, donc là on a les paramètres de connexion, on peut voir que donc j'ai mis ProxySox sur un port un peu élevé, parce qu'en dessous de 1024, eh ben, il me faut les droits route, ce qui est un peu dommage, surtout pour lancer un SSH. Et on peut voir ici, il y a une petite case que j'ai cochée qui dit « Utiliser un DNS distant lorsque SOX V5 est actif ». Et donc, normalement, je crois qu'il utilise le DNS, enfin, je suis même certain, qu'il utilise le DNS de la machine sur laquelle je me suis connecté en SSH avec le tunnel. Puisque, quand je fais, si vous regardez ici, je ne suis pas sur mon site perso sur Internet, je suis sur ISP3 VPS1.example.com. Et je me suis aussi connecté sur ISP3 VPS2. Alors bon, pour l'instant, il y a un joli forbidden. On pourra toujours essayer d'y mettre un site à un moment. Mais en tout cas, on a ce qu'il faut. On peut utiliser des noms d'hôtes pleinement qualifiés. D'ailleurs, je me demande si je vais pas essayer tout de suite de faire... Si je fais ISP3 site 2 au lieu de VPS2. 403 forbidden. A priori, je pense que si jamais je vais sur justement mon petit serveur web, je vais passer route tout de suite, comme ça on sera tranquille. SRV3W... catch all, en toute logique ça devrait tomber dans le catch all, hein. On a eu un favicon, ça a l'air d'être ça, hein. Voilà, ISP3 site 2, si si on l'a. Et si je tente le DVWA maintenant, dvwa.example.com, 403 forbidden, et il est bien tombé ici, donc c'est nickel. Je pensais pas que ça fonctionnerait si vite. Alors, maintenant. Ben maintenant, c'est là que les choses se gâtent. Alors. Ah oui. Donc, roll, lemp. Ah oui, il reste les points main, points... Oh là là. Allez, find, point... moins, type, f... Ça, c'est quand j'éteins le truc à la fin du stream. Name, étoile, point, swp... Allez, moins delete. Voilà. Vim, moins p... Alors... On va ouvrir. Roll... Lemp, handlers, main.yaml. Hop, on va ouvrir le task. Remarque, le handlers, on s'en sert quasiment pas. Donc on va surtout ouvrir task et vars. Hop, task et var. Voilà. Donc, si je veux... Alors, je suis en train de me poser des questions, un peu. C'est comment je vais organiser un peu le code. Et je me demande dans role lamp.yaml, j'ai juste ça. OK. Et quand j'applique... Si je réédite mes fichiers, quand j'applique... les 1... Donc là, j'ai OK. Et là, en fait, j'ai... Oui, par rapport au rôle PHP et au rôle MariaDB, enfin MySQL de Jeff Geerling, je mets quoi, tout ça. Je suis en train de me poser un peu les questions de comment je vais utiliser les variables en fait, comment je vais les implémenter. Salut à toi Yoda. L'idée étant que je puisse faire quelque chose qui soit comment dire, scalable quelque part. Et je me demande comment je pourrais m'y prendre. Parce qu'en fait, pour le moment, si je reviens ici... Alors, pour ne rien vous cacher... j'avais fait un truc similaire il y a quelques années de ça. Et ce truc similaire, je l'ai jamais open sourcé, bien entendu. Et c'était basé sur du Apache, mais j'utilisais pas de rôle existant. J'avais tout fait à la main. C'était avec des templates plus ou moins réussis. C'était pas ultra propre, mais ça fonctionnait. Donc je me demande si je vais pas aller m'inspirer de ce vieux code, alors que je vous montrerai pas à l'écran. Et je me demande comment je m'y étais pris, en fait, à l'époque. Comment j'avais géré, en fait, la partie où je vais créer plusieurs arborescences, en fait. Parce que là, actuellement, je peux déjà créer des groupes dans mon inventory et itérer dessus. C'est une idée, Sheldon. Hop. Alors, effectivement, je peux itérer dessus avec le système d'items. Et une fois que j'ai des groupes, je peux faire des groupes vars. Tout à fait. Parce que là, donc, ça, c'est le truc de base, on va dire, pour le catch-all. Encore que ça, à mon avis, on va vouloir le reproduire, mais on verra après. Mais si déjà on commence effectivement par créer les file system, ce que je vais sans doute vouloir faire... Et les host var pour le spécifique, on a eu cette discussion il y a genre 7 jours. Ouais, j'aurais dû me faire un... Comment dire? J'aurais dû regarder moi-même mon replay, parce que j'ai un peu zappé, pour être honnête. Alors... tu peux affecter ton rôle au groupe et pour chaque host, tu changes les variables dont tu as besoin. Oui, ça c'est une possibilité, mais c'est surtout que je vais vouloir créer... Ce que je veux, c'est pouvoir installer, par exemple, sur un host, installer 5 sites web, et sur un autre host, en installer 2, par exemple. Enfin, je dis 5 et 2, mais... Et donc... Alors, ce que j'avais fait, moi... Ce que j'avais fait dans mon ancien truc... visiblement... c'est que je m'étais amusé avec Ansible Vault. J'avais en fait mis tous les... J'avais fait une... Alors non, je ne voudrais pas forcément répartir la charge. Ce que je veux, c'est pouvoir, par exemple, si je reprends mon schéma là, ce que je voudrais, c'est par exemple, tu vois là, j'ai ISP3 VPS2 et ISP3 VPS3. J'ai pas besoin d'une flèche vers l'autre. Si par exemple je veux installer 3 sites web d'un côté et 2 autres sites web de l'autre, je veux pouvoir utiliser le même rôle, mais juste au niveau des variables, pour pouvoir dire ISP3 VPS2, tu lui appliques donc le rôle, on va dire lemp, et tu lui dis, tu appliques le rôle lemp et tu fais site 1, site 2, site 3. Et sur ISP3 VPS3, je lui dis, bah, tu appliques le rôle lemp. Mais tu le configures à site 4, site 5, site 6 par exemple. En gros, ce serait l'idée. Les groupes restent tout à fait adaptés. Tout en... Je pense aussi. Je pense aussi. Mais comment on pourrait... bah, de toute façon, on va y aller, hein, on va se jeter dans le bain, entre guillemets, et on va voir comment on met ça. Ce que je me disais pour le moment, hein, c'est que je vais aller dans... non, je ne voudrais pas aller là. Je vais aller dans mes variables, en fait. Bah, de toute façon, je vais les mettre en bas. Hein, hop. Et alors, moi, la manière dont je m'y étais pris... sur le truc. Alors je l'avais fait dans un Vault, hein. Un Vault Ansible, c'est une sorte de base de mot de passe, un peu comme un KeePass, j'ai envie de dire. C'est un, entre guillemets, un conteneur qui est censé être chiffré. On y accède via un mot de passe en théorie, via la commande Ansible Vault, Ansible-Vault, et dedans on peut mettre des secrets. Alors, je sais pas si c'est très utilisé. Moi, dans le cas de figure que j'avais, je me suis dit, bah, je suis le seul à utiliser ce rôle-là. Je l'avais pas publié, c'était juste sur un repo local, donc j'avais pas de problème. En tout cas, pour potentiellement scaler et partager le truc. Là, pour le moment, je vais pas forcément faire de l'Ansible Vault. Hein, vous voyez, hein, en plus d'ailleurs, le MySQL root password, il est en clair. Je pense que la partie Vault, je la ferai peut-être dans un autre temps. Mais voilà, si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo, en particulier en VOD, ou une fois que je l'aurai uploadé sur YouTube, oui, il va y avoir, entre guillemets, des mots de passe là dans le code, mais d'une part, c'est un environnement de lab, je vais pas mettre des mots de passe, comment dire, entre guillemets, de production, enfin, si tant est qu'on puisse appeler hein, des trucs par ici de la production, mais je vais pas mettre des mots de passe perso, et faites attention si vous voulez réutiliser ce code à peut-être vouloir changer justement le code. Sheldon qui nous redit, pour chaque application, tu rajoutes une variable myHost avec when, tu peux lui dire si myHost est égal à inventory hostname, la task se joue. Effectivement, ça peut se tenter. Alors, d'abord, moi, je vais te montrer un peu comment je m'y étais pris. J'avais fait un premier truc comme ça, et ensuite, j'avais fait ça, j'avais fait name, et bah tiens, on va prendre les sites que j'ai voulu, que j'ai mis là, dans les... alors, DNS1, 4, ETC, host, j'ai dit host, voilà, et donc, on va faire, tiens, on va faire celui-là. Alors, généralement, le name, c'était plus une sorte de... comment dire, d'identifiant. Donc, c'était pas forcément exactement le nom du site. Là, je vais juste lui l'appeler comme ça, ISP3 VPS2. Je mettais DNS. Alors, j'aurais peut-être d'ailleurs dû mettre FQDN. Hop. Je mettais un UID. Je sais pas si c'est forcément une bonne idée de forcer un UID. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que c'est pertinent ou pas. Et on va faire 5501, tiens. Je m'étais mis quoi comme ID 5001. On va peut-être faire 6001. Allez. 6601. Ouais, je fais un dict. Tout à fait Sheldon. UID. Est-ce que j'active PHP? Alors, je sais pas s'il y a des trucs, des variables PHP. Non, à chaque fois, il met PHP quelque chose. Hop. Donc, je mettais PHP true ou false. Et comme ça, selon que PHP est true ou false, eh bien, le truc me faisait la conf PHP-FPM ou pas. J'avais ensuite un MySQL qui pouvait valoir soit false, soit le nom de la base de données. Donc là, en l'occurrence, je vais l'appeler aussi ISP3 VPS2. Ah, si, ça y est, je revois dans les trucs, dans les noms. Je vais te répondre, The Tourist. Mais en gros, ça, c'est le nom Unix, le nom de l'utilisateur Unix. Et d'ailleurs, justement, je vais te répondre. L'UID et le nom de l'utilisateur Unix que je mets là, c'est effectivement ce qui fait tourner le PHP-FPM. C'est l'utilisateur pour les poules. Non, non, le Nginx, il tournerait en tant qu'utilisateur Nginx classique. Potentiellement, je pense que l'utilisateur Nginx se verrait rajouté dans le groupe associé à ça pour pouvoir accéder en lecture au contenu, quoi. Cote, je suis pas sûr de comprendre. Et ensuite, ce que je faisais, c'est que j'avais un truc qui était mypasswd, qui était donc le mot de passe MySQL. Pardon, c'était pour les pods, pour les poules. D'accord. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Ah non, non, non. Ok. Je ne setais pas de mot de passe à l'utilisateur Unix. Je le mettais systématiquement, l'utilisateur Unix, en sbin no login. Puisque de toute façon, si quelqu'un devait se connecter en tant que l'utilisateur, ce serait en SFTP et pas en SSH. Et donc mypasswd, bah, on va pas s'embêter la vie, hein, password, voilà. Et donc, je vais itérer comme ça. Alors, à la limite, ce qu'on va faire, hop, et le deuxième, on va l'appeler site2, hop, voilà, non, j'ai dit site2, hop, site2. Le MySQL, donc ce sera site2. Alors, d'ailleurs, j'avais appris un truc à ce moment-là, quand j'ai fait, ce truc-là. Saviez-vous que les noms d'utilisateurs, selon d'ailleurs les systèmes Unix, sont limités en nombre de caractères et que les noms d'utilisateurs, donc Unix, sont limités en nombre de caractères, mais sont aussi limités en nombre de caractères sur MySQL et donc potentiellement MariaDB. Hop, donc celui-là, il faut que je pense à l'incrément. Celui-là finalement il sera en PHP à false. Celui-ci on va le mettre en true. Et d'ailleurs du coup MySQL je vais le mettre en false aussi ici. Et ici on va écrire no passwd, ça changera rien hein, en fait. Unix anciennement 8 MySQL dans les 32 noms. Hey salut Ze, bienvenue à toi. Alors Unix anciennement 8 probablement pour les premiers Unix, je vais te faire confiance. Je suis pas allé vérifier jusque là, mais je crois que j'avais eu remarqué sous NetBSD que la limite était à 16 ou 32 et MySQL effectivement la limite est à 32. Parce qu'en fait, justement, quand je mettais mes noms d'utilisateurs, je voulais essayer de faire un truc qui soit basé sur le FQDN, mais qui soit pas complètement le FQDN. Et je m'étais retrouvé, quand j'avais des noms un peu longs, avec une problématique de dépassement de 32 caractères. Ce qui m'embêtait un peu. Et donc, je voulais ici aller à ISP3. Bah non, je vais mettre DVWA ici. Hop, DVWA, hop. Il y a du code pour ce genre. Voilà, comme quoi des fois l'histoire est un éternel recommencement. Il y a des choses comme ça, on se rend pas compte. Donc la base de données MySQL va s'appeler DVWA aussi, et hop là, les users aussi. on voit qu'il y a des gens qui ont déjà été confrontés à la blague, hein. User system, ok. Fichtre, un truc que j'ai oublié. Alors, dvwa github, hop, que trop souvent. Ça doit être celui-ci, effectivement, DigiNinja. Je voulais aller dans config et prendre le config.inc.php.dist parce qu'on va pas s'embêter, on va laisser hop, les trucs par défaut. Alors l'UIDB, user data, voilà, DVWA, et on va mettre le mot de passe comme ça, hein. On va mettre leur password à eux. Comme ça, j'aurai juste, quand j'installerai l'application, je copie bêtement en fait le point dist en point PHP et puis rouler jeunesse. Alors bien entendu, de toute façon, l'application DVWA étant une application volontairement vulnérable, ne faites pas ça en prod. Ne mettez pas un DVWA en prod. The qui nous dit que pas mal de commandes qui prévoient 8 caractères pour les logins. Ouais, et des fois tu as aussi des limitations sur des limitations assez amusantes sur les mots de passe. Il fut une époque, alors je crois que je l'ai déjà raconté sur cette chaîne, mais il fut une époque où il m'arrivait de déjeuner presque régulièrement dans une grande chaîne de restaurants que je ne nommerai pas. Et en fait, il se trouvait que pour leur carte de fidélité, il y avait moyen de se créer un compte sur leur site web. Et lorsque j'ai voulu changer le mot de passe, je me suis rendu compte, en fait, on pouvait changer le mot de passe et on pouvait mettre un mot de passe de la longueur qu'on voulait. Mais quand on voulait se connecter, en fait, il devait y avoir peut-être un troncage quelque part dans la base de données ou au moment du set du mot de passe, mais qui faisait que si le mot de passe faisait plus d'une certaine longueur, en l'occurrence j'avais trouvé que c'était 12 caractères, si j'allais au-delà de 12 caractères, en fait, je ne pouvais pas me loguer sur mon espace. Donc j'étais obligé à chaque fois de faire une demande de remise à zéro de mot de passe, et je me suis rendu compte en baissant la longueur de mon mot de passe que à 12 ça marchait, et que au-delà ça ne fonctionnait plus. Alors The Tourist qui nous disait, hey merci, alors Avant de lire ce que Touriste nous dit, merci à toi, Christophe, pour le follow. C'est très gentil. C'est très gentil à toi. Pas de souci, Christophe. Les nouveaux sont les bienvenus. Et donc, The Tourist qui nous a les caractères théoriquement pratiquement valides dans les noms d'user system, c'est rigolo aussi des fois. Crypt c'était 8 caractères, mais c'était il y a longtemps, depuis on hache et plus de limites. Ah. Oui, peut-être pour les mots de passe, effectivement. Mais oui, c'est pareil, justement, je me contente sur de... Je vais me limiter, je pense, à des caractères ANSI, enfin ANSI, pour les noms d'utilisateurs. Crypt a la gentillesse d'ignorer ce qui est plus long. Bah écoute, je ne sais pas ce que les gens ont fait sur le site web de l'époque. D'ailleurs, la chaîne de restaurant en question, depuis, a complètement remanié son système de carte de fidélité. Les anciens comptes n'existent même plus, hein. Ils ont, Ou alors à moins que ce soit des histoires de RGPD qui ont fait que mon compte ayant été inutilisé pendant un moment, il a tout simplement été effacé. Mais bon, bref. Ça reste toujours assez amusant. Alors, donc là, a priori, j'ai mes trucs comme ça. Et donc, si je reprends ce qu'on se disait avec Sheldon, toi, par exemple, Sheldon, tu envisagerais que je mette un truc du genre un host à déployer, que je mets ici un host, et puis là, je mets ISP3 VPS2.example.com, par exemple. Alors, The Vengeur qui tape tout de suite là où ça fait mal, ça se saurait si les grosses boîtes respectaient le RGPD. Bah, à la limite, ce qu'on va peut-être faire, Sheldon, c'est qu'on va rajouter un quatrième site. Hop. On va rajouter un quatrième site qu'on va appeler Foobar, en fait. Voilà. Oh, même juste fou, tiens. Allez, hop, fou. Fou.example.com. L'UID, on va lui mettre ça, php true mysql foo. Et là, on va faire foo pass. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que donc ces machines-là, lui, on va lui dire que le host sera ISP3 VPS2, lui ISP3 VPS2 et lui ce sera ISP3 VPS3. Voilà. Ok, donc j'ai quelque part mon dict avec les sites que je vais vouloir déployer. Et donc, comme pour l'instant, je m'intéresse que à ISP3 VPS2, idéalement, je vais déployer tout ça, en fait, et pas ce qui est en dessous. On va enregistrer ça. Et ensuite... hop, ce que je peux potentiellement faire, c'est commencer par créer les comptes pour les utilisateurs et créer leur home. Alors, moi, j'aime bien séparer la création des groupes avec la création des utilisateurs pour ensuite appliquer le groupe à l'utilisateur. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Hop là. Et ce que je peux faire, c'est un name, comme ça. Et on va faire create. Main group, en fait. For web users, tiens. Et... The Vengeur qui nous dit « J'aurais tout fait avec des groupes, mais ta solution est très maligne, Sheldon. » Ah. Alors, The Vengeur, t'aurais tout fait avec des groupes, c'est-à-dire que là, moi j'ai mis « host », toi t'aurais voulu utiliser autre chose ? C'est pas que je veux changer d'avis, hein, c'est juste pour comprendre, en gros. Je suis curieux de... D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous avez envie d'échanger des snippets de code comme ça, parce que là, j'imagine The Vengeur qui va vouloir dire « bah en fait, j'aurais voulu faire ceci, ceci, cela ». Si tu as une idée d'organisation, là, pour mes... hop, plutôt ici, pour le truc, on peut se partager en direct ou en différé, d'ailleurs, des snippets de code. J'ai mis en place un pastebin sur paste.auteurtelecom.com. Donc si jamais vous voulez des fois me dire « tiens, je voudrais t'envoyer plutôt que d'écrire des fois du code directement dans le chat », eh ben vous pouvez envoyer des liens comme ça et on peut voir ça ensemble. J'essaierai de les ouvrir d'abord sur mon écran qui n'est pas partagé. Non pas que vous risquiez de me récroller en direct, mais on sait jamais. Hop. Alors... Oui, effectivement, sur quel host ou groupe ça s'exécute. C'est une autre solution, effectivement, The Vengeur. J'avoue, j'hésite un peu entre les deux. Je sais même plus où j'en étais. Si, là j'avais les variables et je voulais remonter là-haut pour créer les groupes des utilisateurs d'abord. Et donc, on peut utiliser, on peut faire groupe comme ça, name. Et en fait, on va itérer, donc ça va être, hop, coupe là. Et on va faire item. Alors, item.name. Hop. Et en fait, on va dire le GID. Alors, du coup, ce sera item.uid. J'admets que c'est pas très state présent. Hop. Et on va faire un with hop, items. Et là il va me falloir un items et alors le with items normalement ça devrait être est-ce que ça serait pas site l'item? Si, ce serait site. Hop là. Voilà. Et donc ce serait plutôt... for web users. Et ensuite, on crée les utilisateurs. On va faire un peu la même chose. Hop. Et on va faire create. On va créer les web. Hop. Et on va créer. Parce qu'on va pas créer les home avec. Si, on va créer les home avec. Allez. Et donc au lieu de groupe ici on met user. Lui ce sera son UID, voilà. On va lui rajouter forcément son groupe et son groupe ce sera la même chose, donc ce sera item.name, voilà. Et ensuite, on va rajouter le shell. Et ce que je disais, je crois tout à l'heure, c'est que, comme de toute façon, je vais même pas mettre de mot de passe sur les utilisateurs, pour le moment en tout cas, on peut carrément dire, pourquoi je variabilise, on va mettre /sbin/nologin. Hop. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va définir le home. Et le home, ça va être /srv3w/ alors, c'est là où je me dis, attention, item. Le home, item.fqdn. Hop là. fqdn. Et on pourra rajouter aussi un petit commentaire. Moi j'aime bien rajouter un petit commentaire dans les etc passwd. Et on va dire system user for website, hop, et on va dire item.fqdn, hop. Donc ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Sauf qu'en fait, ça, tout ça, vu que ça va être dans SRV3W, est-ce qu'il vaudrait pas mieux? Ouais, parce que j'ai le 3W base, il est créé après. Donc en fait, je vais te déplacer. Ce serait peut-être plus facile avec un V-split. Hey, salut à toi, Océman. Un V-split. Tu veux dire un V-split dans Vim ou Allez, je vais déplacer ça. Hop. Et on va le mettre. On va le mettre là. Hop. Pourquoi ne pas faire appartenir tous les dossiers de vhost à PHP? Alors, The Vengeur, c'est parce que je vais utiliser du PHP-FPM. Et donc, chaque pool va appartenir à un utilisateur différent. Et l'idée, en fait, c'est que... non, c'est deux fichiers différents. Là, j'ai le var et là, j'ai le task. Donc, je me suis mis plutôt dans des onglets. Déjà, je me suis mis à... Non, mais tu fais bien quand même de proposer ça, Emmanuel, pour une raison très simple, c'est que déjà, les onglets, ça fait pas très longtemps que je les utilise. je crois que ça doit faire même pas 2 mois que je me suis dit « Ah, mais attends, il y a des onglets dans Vim, je vais essayer de m'en servir un peu, quoi ». Donc, améliorer mon utilisation de Vim, moi, je suis toujours preneur, hein. Tiens d'ailleurs, alors je sais qu'on avait qu'on s'était dit d'abord on refaisait, refactorisait tous mes rôles, enfin tout le rôle initialement, et qu'après on allait taguer pour éviter de relancer les. Ouais, Yoda, il y a des onglets en fait. Je te montre. Ah bah oui, Vimdiff, ça c'est magique. Tu vois, Yoda, j'ai lancé la commande comme ça. J'ai fait vim-p et mes fichiers. Le seul truc que je sais pas encore faire, c'est comment tout quitter d'un coup. Et alors, The Tourist te précise effectivement tab new, tab next, tab preview. Et en fait, moi j'utilise le raccourci GT quand tu es en mode de commande. Et tu peux même faire G grand T pour revenir à l'onglet précédent. GT te fait aller à l'onglet suivant, et comme ça tu boucles, et quand tu arrives au dernier onglet, bah, il te fait revenir au premier, et G T majuscule, lui, te fait partir dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la gauche. Oui, donc j'étais en train de me dire, est-ce que ça vaudrait pas le coup de commencer à aussi essayer d'implémenter des tags, histoire de pas tout lancer. Alors je sais pas du tout comment utiliser les tags ensuite dans le playbook, mais ce sera l'occasion de le découvrir. Et si je me rappelle bien, je crois qu'on peut utiliser des tags ici. Et on fait un truc du genre ici, on peut mettre tags. Hop, et on peut faire, on va faire un truc qui s'appelle users par exemple. Hop. Là, hop. Attention par contre, si j'utilise les tabs et les splits, parce que la manière dont c'est splitté fait partie d'un onglet. Très simple, moins tags, ok. Pour le playbook sera moins tags, ok. Très bien. Alors ce qu'on peut peut-être faire, j'ai oublié, alors ça je vais me déconnecter. Là, je vais me déconnecter aussi. Et je vais plutôt, justement, hop, me reconnecter là. Si je suis un petit 4tc passe WD ici, donc j'ai juste, voilà, j'ai mon utilisateur, j'ai Nginx. Voilà, j'ai pas grand-chose. Si je reviens ici, servez, Ansible, et que je lance, hein, Ansible Playbook, -c, roll lemp.yaml, et on va tenter un -tags, et donc on va lui dire users, hop. Donc en théorie, il a rien touché. Voilà, il a rien touché puisque j'étais en mode check. Et donc a priori, bon, alors fatalement, hein, il m'affiche tous les trucs vu que je suis un peu en mode verbeux. Il m'affiche tout sur la ligne de commande. C'est bonjour, voilà tous tes mots de passe en clair. Allez, cette fois-ci on est parti. En tout cas c'est cool parce que comme ça au moins on ne lance que ce qu'on voulait. Donc, est-ce que ça a marché? Donc il m'a créé un utilisateur ISP3 VPS2, ok. D'accord. SRV 3W et j'ai donc, et pour l'instant bah, il m'a créé fou, ça on voudra pas, je sais pas si on va vouloir le faire maintenant, mais ça on le voudra pas. Et si je regarde un... Allez hop, installe-moi ça vite fait. Voilà. Bon, d'accord, ça fait beaucoup. Hop. Alors. Salut à toi, The Real Fury. Ah oui, il existe aussi skip tags, ok. Tu peux ajouter nolog, true pour masquer les mots de passe en mode verbeux. Ah. C'est bizarre, il y en a un à root, t'as probablement raté un truc. Ah, il y en a un à root. Ah. Alors. Le catch-all, ça c'est normal. DVWA. Oui, effectivement. Ah oui, effectivement. ISP3 VPS2. Non, c'est qu'il existait déjà avant, je pense. C'est parce que le truc existait déjà avant. On va faire le ménage et puis on va tester. Parce que si je fais SRV3W, ISP3VPS2, hop, c'est que voilà, j'avais déjà les trucs log public repo TMP, et donc normalement je dois déjà avoir même des logs là-dedans, voilà. Nos logs de points, Ansible Verbosity, et pas mal non plus. Tout à fait, comme le remarque Ecement, 12 octobre. Napalm est relancé pour voir. Oui, tout à fait, The. Userdel -r, ISP3 VPS2. Hop, fou, hop, DVWA et site 2. N'a pas le plus. SRV3W. Et là, hop, SRV3W, ISP3, hop. Pour l'instant, on va couper Nginx. Hop, et on va pouvoir relancer. Et tu dis. Alors, il y a quelqu'un qui parlait de nolog. Tiens, on va peut-être tester ça avant. J'imagine qu'il fallait le mettre plutôt dans les... je sers de fond sonore, c'est... Ça me va, ça me va. En dessous de tags. Ah, en dessous de tags, on peut faire un no-logs, d'accord. Donc, à ce niveau-là... ah oui, il faudra peut-être le mieux mettre ici, en fait. Hop, no-log. Ah oui, no-log. Et à ce moment-là... Ah, Ansible verbosity inférieure ou égale à 3. Si ça se trouve, j'ai déjà mis ma verbosité assez élevée. Donc si ça se trouve, ça ne passera pas. On va voir ça. Hop. Et bah justement, tiens, on va aller éditer la conf. Hop. Non, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Hop. Alors. Ah, j'ai oublié... Ah oui, effectivement, j'ai fait des choses un peu bizarres. Bien vu. Ici, comme ça. Voilà, j'ai des moustaches cheloues. Je crois que j'avais justement lancé... J'avais mis la verbosité de façon un peu... Non ? Non, j'ai laissé la verbosité par défaut. Ok. Ok. Hop. Et bah, il n'y a plus qu'un, hein. Alors effectivement, c'est déjà un peu mieux. Donc, si on revient ici et qu'on regarde, qu'est-ce que j'ai fait de mon 4 moi? Hop, bon, bah, allez, TL-6, ETC, passe WD. 1, 2, 3, 4. Ok, il me les a créés. Oui, le duplicate dict, je l'ai. Ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai jamais réussi à m'en débarrasser. SRV 3W. Et donc, a priori... Ah tiens, d'ailleurs, les trucs là sont en CHMOD 600. Ok. Enfin, 700, pardon. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, si je relance le bnew... Il me dit que c'est déjà fait. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais ensuite faire, c'est gérer mes répertoires. Où est-ce que... Voilà, ce que je voulais, c'était itérer sur le docroot, le logdir et le tmpdir. Et du coup aussi le session, je crois, que je vais créer, vu que ce sera pour PHP. Et la manière dont je me vois faire le truc... Alors, donc en gros, l'idée, c'est que je fasse une arborescence avec voilà, un log, public, TMP. Je crois que dans mes trucs, je mettais aussi un répertoire de session. Ce qui permet en fait de pouvoir stocker par exemple les fichiers de session PHP des fois. Et à la limite, ce qu'on va peut-être faire... Est-ce que ça vaudrait pas le coup de créer d'autres variables et justement de mettre les répertoires dans des variables en fait. C'est-à-dire que ici j'ai un site et ce que je peux peut-être faire c'est faire une arborescence web, genre je fais un webDirs hop et je fais un public, je ferai un TMP, je fais un log et puis je fais un donc j'avais dit un session. Ça pourrait être une idée de faire ça comme ça. Hop. Et en fait, on va plutôt l'appeler session sans S, tiens. Hop. En pratique, je doute que l'utilisateur dédié à un site web ait besoin d'écrire dans tous ses répertoires. Bonne remarque, tiens, est-ce que l'utilisateur, potentiellement, si c'est à la racine qu'il n'a pas vraiment de raison. Alors. Ah, c'est... ça se défend. TMP log session si c'est l'user PHP qui gère les sessions et le reste. Le débat devient très intéressant. Alors, très clairement... Ah oui, donc pour ECMAN, en gros, a priori, le répertoire public n'aurait pas besoin d'être accessible en écriture par l'utilisateur Unix, l'utilisateur PHP. Et effectivement, moi en tout cas, je le pensais initialement comme The. C'est-à-dire que si jamais il y a un upload dire. Après, idéalement, effectivement, les applis qui s'auto-update, hein, on pense tous à WordPress, et potentiellement, donc le répertoire parent ne devrait pas être en écriture. Bah, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que si je reviens sur la machine, SRV, de toute façon, il appartient à root, 3W, il appartient à root, et après, ce sont chaque... C'est pas évident parce que moi ce que j'essaie de me dire c'est que si chaque utilisateur est confiné dans son répertoire, dans le pire des cas il va aller dézinguer ses affaires. Le seul truc qui va peut-être m'embêter en fait c'est potentiellement les logs. Et alors, pour The Tourist, les répertoires devraient être à route et avec le groupe de l'utilisateur. Donc en 750. Ah, alors, The Tourist. Comment, dans ce cas-là, tu gères le cas de figure de quelqu'un qui aurait le droit de se connecter en SFTP? Parce que autant mes utilisateurs Unix, pour l'instant, je leur ai pas mis de shell. Je leur dis has been no login. Mais un utilisateur vient se connecter en SFTP. tu fais comment? Pour toi, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que l'utilisateur, il n'aurait un accès qu'en lecture à ce répertoire-là. Et encore, je suis conscient que je suis conscient qu'en plus, du coup, ça fait que ça appartient à un utilisateur et que si jamais on veut plusieurs personnes pour gérer le site, c'est mort. Mais à la limite, mon exemple ne se veut pas un exemple de production. Hein. Je ne suis pas en train d'imaginer plein d'équipes qui vont vouloir mettre à jour, surtout pour un DVWA. Et toi, tu tenterais des bind mount. Ok. Poup, 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 poum. Bah oui, en SFTP. Ça t'embête de touriste en SFTP. Donc, pendant ce temps, moi je voudrais essayer de créer mes arbos. Et à la limite, les droits, on pourra les remanier après. Alors, si on donne du SFTP, on le colle en chroot pour éviter les accès au reste. Je sais plus si le home devrait donc aussi appartenir à root. Oh là là, on s'en pose des questions ce soir. On s'en pose des questions. Déjà, je vais peut-être créer les arborescences. Ce sera déjà un beau travail. D'ailleurs, je suis en train de le faire au mauvais endroit. Hop, ici. Et on va le mettre aussi dans le tag user. En tout cas, tout ce qui est au-dessus du home appartenant à root, c'est bien. Ça me rassure, ça me rassure. Donc, bah on va créer des fichiers. Hop, avec un chemin. Et le chemin va être de toute façon un SRV3W. On va avoir ça, effectivement, à la base. Sauf que, en fait, là où ça va devenir comique, c'est que d'un côté, j'ai mes utilisateurs. Donc, je vais vouloir boucler sur mes utilisateurs. Et je vais vouloir boucler aussi... Sur ma liste de répertoire, puisque j'ai donc une première liste de sites et j'ai ensuite une liste de répertoire web. Ce qui veut dire que en fait on va s'amuser avec deux trucs. Donc je fais item.0 ici et ensuite on va faire item.1. Et donc, le principe, c'est que on va faire un with nested, je pense. Hop. Et on va mettre oula, hop, rien par là. Donc ici, ce sera les sites. C'est bien comme ça que je l'ai appelé. Et le deuxième ici, ce sera webdirs. Voilà. Et donc là, normalement, on crée les... Alors, tu vas devoir un set fact avant et créer un dict. Un set fact avant? T'as rien dit. Ok, soit. Soit. Mais du coup, je suis quand même curieux. Alors, le chemin... Alors, faut pas oublier que ce sont des répertoires. Donc, state... Directory. Alors pour le moment, je vais mettre des trucs. Tu penses jamais à nested, à chaque fois tu commets une abomination en Jinja. Ah. Bah je trouve ça pratique le nested. Enfin je sais pas. Moi ça me parle. J'arrive, enfin, Et pourtant, je suis pas un... comment dire... Je suis pas toujours très à l'aise avec tout ce qui est YAML et Jinja, en plus. Mais le Ansible, with nested, ça, c'est... Alors, The Vengeur, en fait, l'idée, c'est que je veux créer... Alors, si je remontre... Je te remontre The Vengeur. On a une première liste avec tous les sites web, enfin en tout cas les noms d'utilisateurs qui vont permettre de créer les arborescences. Justement, j'ai une liste d'arborescences. Donc l'idée, si je vais sur la machine ici, tu vois, comme pour catch-all, l'idée c'est que dans mon répertoire, dans chacun des répertoires qui sont là, c'est d'avoir un répertoire log, un répertoire public, un répertoire TMP, un répertoire session. Et donc, je vais avoir une première itération où j'ai tous mes utilisateurs. Et dans chaque utilisateur, je vais avoir une deuxième itération qui sera les répertoires en dessous. C'est ça, on imbrique une boucle dans l'autre. Et donc si je reviens, hop, et si je reviens ici, donc j'ai habituellement quand j'ai une simple boucle, je fais item point quelque chose. Et ben là, je fais item point 0 point, alors point quelque chose, enfin, pas obligatoire, mais et là je fais item point 1. Et donc mon item point 0 c'est celui qui est ici, et mon item point 1 c'est celui qui est là. Est-ce que c'est mieux, The Vengeur? Je t'en prie. Alors pour le moment, on va être 0,750. On va voir ce que ça donne. Owner. Hop. Et puis, on fera aussi un groupe. Alors... Le owner, ça va être qui? Et le groupe, ça va être qui? Pour l'instant, on va faire des trucs vraiment bateaux. Ça fait très bizarre pour faire des boucles, mais ok. Je sais pas, moi j'arrive à le comprendre comme ça, The, en fait. Je sais pas, ça clique là-haut, que veux-tu que je te dise? C'est parce que c'est pas exactement des boucles. Ah. Donc, ce que je suis en train de me dire, c'est que tu as l'habitude du code, donc de boucle fort. Alors, je crois que j'avais mis un petit moment à les comprendre, les nested items. Et donc, où est-ce que j'en étais à moi? Oui, j'étais en train de me dire à qui je vais le faire appartenir. A priori, il vaudrait mieux que je le fasse... Enfin, je sais qu'on... Voilà, on a eu toute une conversation. Pour le moment, je vais sans doute vouloir le faire appartenir à l'utilisateur. Donc... si je regarde là, ce sera site.name. Hop. Alors, oula, ça commence à proposer des exemples de code dans le chat. The Tourist qui dit moins bizarre que Loop. Oh, The Tourist qui nous balance du Jinja comme ça direct dans le chat. Oh là là. Et The Vengeur, ah, The Vengeur dit c'est exactement des boucles, t'es allé voir la doc. Eh, n'hésite pas à paste le lien vers la doc, hein, The Vengeur. N'hésite pas, hein. Fort boucle, d'où comprendre, écho, t'as vu. Webdears et sites sont décorrélés, donc produits cartésiens. Oh là là, oh là là. Je saurais pas te répondre, The. Et donc, moi j'étais en train de me dire que le owner, Ça va être donc item.0.name. Hop là. En fait. Et que d'ailleurs le groupe, vu que c'est la même chose en fait. Hop. Ma liste de webdir et ma liste de serveurs sont indépendantes. C'est pas une liste qui dépend de l'autre. Ah bah oui, c'est décorrélé, effectivement. Si je... Enfin, au final, pour moi, la seule corrélation, elle est là, en fait. C'est juste de dire qu'il y en a que je fais mon site / mon répertoire. Enfin, si on peut appeler ça une corrélation. Si je remonte au niveau de mes déclarations de variables, en fait, j'ai mes webdirs qui sont là. Donc si à un moment je veux réutiliser mes webdirs ailleurs, ben je peux les réutiliser ailleurs. Après, j'aurais pu rajouter effectivement j'aurais très bien pu effectivement imaginer un truc du genre peut-être un truc comme ça, non? Sauf qu'en fait, si je fais ça, sans le tirer devant webdirs du coup, ah oui. Hop. Je me demande si ça marcherait, mais en fait, ce qui m'embêterait avec ça, c'est que ici, il faudrait que ce webdirs là, je le répète pour chaque site, en fait. Ce qui me donnerait une certaine, granularité, parce que je pourrais avoir... Ah, pour The Tourist, il y aurait moyen d'avoir un défaut. Alors non, mon besoin, c'est vraiment d'appliquer la même arbo partout, effectivement. S'il n'y a pas de webdirs dans la def, de site, je prends le défaut. C'est une autre technique, effectivement, ce touriste. Ça pourrait être intéressant. A priori, moi, mon besoin, il marche comme ça avec les nested, je pense. Et à ce moment-là, ce ne serait pas du nested. Ok. Oh, bah. Enfin, je sais pas vous me dites hein, si le code est incompréhensible, mais moi j'arrive à le comprendre, ce qui est déjà pas mal. Ben, on va le relancer, hein, on va voir ce que ça donne. Alors, déjà on va le faire en check. Vu que c'est toi qui maintiens, c'est mieux si tu comprends. Merci The Vengeur, c'est gentil. Alors... Bon, il m'affiche pas grand-chose. C'est un peu dommage. Je le referme avec un -vvv parce que... Ah non, alors là par contre... Oh punaise. Ah non, ça c'est moche. Ouais. J'avais oublié ce petit détail-là. Ok. Oh, c'est... Vous savez, c'est ces fameux gifs où genre il y a quelqu'un qui ouvre une porte de placard et qui se prend tout le contenu sur la figure. J'ai l'impression d'avoir fait ça. Ou alors quelqu'un qui ouvre une porte après une tempête de neige et toute la neige qui lui tombe dessus, c'est un peu ça. Alors... Oh punaise. Ouais, vraiment trop d'informations. Vraiment trop d'informations. Mais a priori... Ah oui, diff, after et before, state absent, state directory. La neige, généralement, ça fait plus le mur devant la porte qui reste en place. Ah, il y a quelqu'un qui connaît, visiblement. Hop. Allez, on va enlever le -c et on va envoyer ça. On va voir ce que ça donne. Et encore, là, il est content. Quand il est vexé, il vomit dessus en spray. Oh, oh the twist. Ouais, effectivement, là, il m'affiche rien. C'est un peu dommage. Et donc là, si maintenant je fais un... Alors, je peux garder mon WebDirs global. Et pour chaque site, je rajoute un WebDirs comme ça. Et fonction de chaque cas, je peux ajouter d'autres dossiers. Bah, -v, connais pas Ansible. On peut essayer après, Castor Génial. Mais là, en tout cas, donc pour a priori, ici, il me les a créés comme ça. Alors, hop, on va refaire un petit tri. Hop. Et donc, voilà, j'ai à chaque fois log public session PHP, enfin TMP, pardon. Si je le tente juste avec un seul -v, effectivement, on va peut-être voir ce que ça donne. Hop. Il me rebalance en fait un truc en mode censuré. Et si je le fais avec moins de V, comme ça, en tout son pour où on en est. Là, ouais, là, il va balancer des trucs un petit peu plus... Oui, tout à fait, Alcor. Moins VVV, c'est vraiment le gros debug. Et il n'affichera que si je suis à moins 3V, en effet. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que j'ai peut-être pas forcément envie... Qu'est-ce qui se passe si à ce niveau-là... Je le verbose. Ouais, exactement. Je vais le mettre en commentaire ici. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe avec un seul... Hop. Est-ce qu'il va du coup me réafficher en fait ce qu'on veut pas cette fois-ci? Il va me spammer les passwords. Pour The Tourist, il va me spammer les passwords. Ce qu'on veut pas en fait à la base. Et effectivement, c'est chelou ça. Il ne m'a pas spammé les passwords. Le Create Web Directory. Alors attends, je vais le refaire. Hein. J'ai bien enregistré mon fichier et je vais relancer mon truc. Donc ça, le create group, qu'il soit pas verbeux, ok, on a compris. Le web users, pareil. Ah, si, ça y est, voilà, le create web directories, voilà, il me spam. Et il n'y a pas moyen de lui dire juste le mypasswd. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon. C'est quoi l'espèce d'ID qui te colle sur chaque ligne qui est tout le temps un peu le même? Ah, attends, on va remonter. Non, il me dit OK à chaque fois. Attends, je vais relancer le truc. Ah, ISP3 VPS2.example.com, ça c'est la... C'est le nom de la machine. C'est le nom de la machine, The. Il indique le nom de la machine sur laquelle il agit. Ok, donc ça c'est cool. Jusque-là, on s'en sort pas trop mal. La question que je me pose, c'est est-ce que les droits seront bons? Mais à la limite, on le verra. Enfin, on le verra. Je pense que finalement, on le verra quand on mettra des sites web dessus. Il y a quand même un truc. Ah, donc tu as juste le nom de la machine. J'ai fait un truc, je dis non. Le item non, pas besoin de le configurer par truc. Je me pose la question. Enfin, je me demande aussi. Parce qu'en fait, c'est surtout que tout à l'heure, justement, quand on a mis le... Si je t'enlève tous les no-logs, en fait, the, il va afficher l'item, sauf que, voilà, comme le dit The Tourist, on veut pas qu'il spamme les passwords. Et c'est justement ce que je me disais, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui dire juste, juste la variable mypasswd, là, tu lui fais chute. Je pose la question. Alors j'avoue que moi, pour l'instant, ça ne me dérange pas outre mesure. J'ai envie de dire sur, sur ces trucs-là, parce que bah, c'est du labo, en fait. Donc à la limite, je peux peut-être... Enfin, je vais peut-être même enlever les no-logs pour le moment. Hop. Hop. Je vais me les mettre hop, juste en commentaire comme ça. Et de cette façon, tu peux essayer de remplacer ton site par site pipe map attribute égale fqdn. Alors The Tourist, j'aimerais bien que tu expliques un petit peu. C'est-à-dire qu'en gros, au niveau du nested. Hop. Ah, ici. Ok. On va le tenter, hein, on va bien voir. Comme ça, il te balance une liste des FQDN d'une part et une liste des webdir d'autre part. Oui, effectivement, puisque c'est juste la partie... Est-ce que c'est le FQDN? Si, ah oui, on veut le FQDN, mais on veut le name aussi. Ouais, voilà, on a percuté en même temps, The Tourist. On a percuté la chose en même temps. Donc là normalement, si je relance mon truc... Il va me spammer les mots de passe. Il va me filer toutes les variables. Tu vois là, il dit bien item name, il donne le name, le FQDN, l'UID, et puis comme j'ai mis des mots de passe dans le lot. Alors après, dans l'absolu, bon, les mots de passe, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour les mettre. Mais on pourra voir ça à un autre moment, je pense. Je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Donc j'ai créé mes répertoires, j'ai créé mes utilisateurs. Ça c'est cool. J'ai les UID. J'ai une info comme quoi est-ce qu'on mettra du PHP, est-ce qu'on mettra du MySQL. Alors, oui, tout à fait, Céman. Mais alors, je l'ai déjà expérimenté sur un autre playbook qui n'est pas public et que je vous montre pas. Et en fait, j'ai la même chose. En gros, sur un playbook assez similaire, j'avais fait un truc, j'avais fait presque pareil. Et en fait, quand je le prends avec Ansible Vault, enfin, quand je fais mon playbook et qu'il ouvre mon Vault, il me les affiche aussi, en fait. Après, j'avoue, j'ai pas non plus cherché pendant des heures. Parce que c'est l'output, pas une entrée. Je veux bien que tu élabores. Je suis pas sûr de comprendre. Pendant ce temps... Pendant ce temps, ce que je peux faire... c'est qu'on va peut-être entamer la partie Nginx, en fait. Alors. La partie Nginx. Alors, je pensais qu'on voulait cacher le mot de passe de l'utilisateur qui lit le playbook. Mais c'est l'affichage du résultat qu'on veut censurer. Oui, c'est ça, effectivement, c'est bon. C'est effectivement l'affichage du résultat qu'on veut... si on peut éviter... Ah, alors attends. Ouais, mais en gros, aujourd'hui, si je pige bien... Ah, tiens, les autoristes qui se mettent à utiliser le paste. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, fqdn to name, site item to dict, key fqdn... Alors oui, effectivement, c'est pas testé effet de tête par contre. Mais il n'y a pas de souci, on peut tester en direct. Hein. Alors, ah tiens, Alcor, qui a déjà eu un cas de figure un peu similaire. Et donc tu as dû register une variable en précisant un ignore error true. Et tu as utilisé ensuite un loop sur la variable pour afficher ce que tu veux avec un debug. Ah ouais, effectivement. Ouais, c'est vraiment... ce serait items to dict et pas item to dict. Ok. En fait, j'ai vraiment l'impression que pour... En fait, ce que je me dis, c'est que finalement, le plus simple hein, de tout ce qu'on a vu là, toutes ces histoires d'affichage, le plus simple, ça reste quand même... Oh non, je vais revenir ici. Hop. Ça reste quand même le no-log, en fait. C'est OK, bon, ça n'affiche rien, mais c'est peut-être le moins... comment dire si on essaye un peu de réfléchir au juste milieu entre on rajoute plein de bouts de code juste pour dire je veux pas afficher ce truc là en particulier, ce qui du coup va, enfin, on va augmenter le nombre, la quantité de code, on va augmenter le nombre de trucs qu'il va falloir essayer de comprendre et juste dire bah, finalement t'affiches rien. Finalement, il y a un degré d'ajout de complexité d'un côté et pas beaucoup de l'autre, juste pour arriver vraiment pile poil à ce qu'on veut, alors que l'autre, bon bah, on n'affiche rien quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais en fait, finalement, peut-être que le no-log reste le compromis le moins... Enfin voilà, si on fait le compromis entre rajouter plein de lignes de code et juste dire bah finalement on n'affiche pas le truc. Je sais pas vous hein, mais le no-log c'est voilà c'est ça la solution KISS, la solution où on garde les choses simples en fait. Mais c'est vrai que s'il y avait eu un truc du genre on peut ne pas afficher, on peut censurer l'affichage de certaines variables. Après, si ça se trouve, ce que je me dis, c'est que, alors moi je vois les choses comme ça en tout cas avec le, cette manière d'organiser les variables et même en mettant dans un vault, peut-être que cette manière de faire les choses n'est pas correct et qu'il y a peut-être une autre manière de faire les choses et qui du coup n'affichera pas le mot de passe en fait. Ou juste coller un friendly name à la place de l'ensemble du reste. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas... mettre les mots de passe dans une table séparée. Oui, c'est peut-être effectivement ça. avec comme clé le nom du site. Alors, Sheldon, générer un mot de passe. Générer un mot de passe, c'est une idée, sauf que dans ce cas de figure-là... Salut à toi, Charconnet. Oui, un mot de passe que, ouais, un mot de passe qui serait genre affiché et qu'il faudrait que je garde de côté, en fait. C'est effectivement une idée pertinente. Mais il faut le même aux prochains apply. ou alors c'est que si l'utilise, enfin en gros dans ce cas de figure là, donc qui sera le mot de passe MySQL, l'idée, c'est que c'est le mot de passe d'un utilisateur. Si l'utilisateur existe, c'est que le mot de passe a été mis en place. Alors, The, tu parles pas du Vault Ansible, tu parles, je suppose, de HashiCorp Vault. Et donc, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas le même produit. C'est pas le même logiciel. Si le fichier existe, il récupère la valeur, sinon il la crée. En fait, Sheldon, en fait, c'est ce que décrit The. C'est-à-dire qu'en gros, HashiCorp Vault, c'est un produit, littéralement, c'est un coffre-fort dans lequel tu vas... Je connais pas Ansible. C'est pas grave, c'est pas grave. Toujours est-il que... alors, le Vault de Ansible, en fait, moi, de ce que j'en comprends, y a peut-être quelqu'un qui me corrigera, mais en gros, le Vault de Ansible, c'est un fichier de variables, sauf qu'il est protégé par mot de passe, parce qu'en gros, le mot de passe permet de le chiffrer. Et tu déverrouilles ce fichier de variables au moment de lancer le playbook, en spécifiant le bon mot de passe. Et du coup, en fait, avec un Ansible Vault, j'ai exactement la même entre guillemets la même problématique. Ah, a priori, j'ai bon. Les experts Ansible dans le coin sont d'accord, ça me rassure. J'ai quand même compris des choses. On peut aussi volter une chaîne seulement. Ok. Alors, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avancer sur le reste. Parce que même si ça a l'air super intéressant, je me dis qu'effectivement, la solution KISS pour le moment, même si à l'occasion, je testerai peut-être effectivement... à un moment, qui c'est qui avait proposé d'avoir une autre liste, en fait, un autre dict, qui, voilà, c'est The Tourist qui disait mettre les mots de passe dans une table séparée avec comme clé le nom du site. Ça pourrait être une idée. Alors. Donc j'ai créé mes répertoires. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est créer mes... je voudrais créer mes virtual hosts. Donc là, a priori, j'ai déjà un truc... J'ai déjà de la conf Nginx pour mon catch-all. Et il va falloir, je pense, que je crée des trucs un peu similaires et à me mettre une... Donc, ce que je vais sans doute faire... c'est reprendre ça hop, je vais le coller hop comme un gros goret. Et ce qu'on va faire, c'est que on va créer, hop, on va faire website import vars, donc ça on a un, et deployment location conf.d. Est-ce que dans Fedora il y a un etc nginx? Ouais, je vais tout poser dans conf.d. C'est peut-être moche, mais je vais... Ah, à moins que je fasse un vhost.d et que je dise dans la configuration principale d'Nginx, au fait, tu vas le linker avec. Ça pourrait être une idée. Hey, merci beaucoup Sheldon pour le sub. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Merci de ton soutien, ça me fait très plaisir. En plus, tu as utilisé ton sub Amazon Prime. C'est gentil de me faire ce cadeau. Et ben, quelle sortie spectaculaire dans ce cas-là, Sheldon. Merci beaucoup d'être passé. Merci d'avoir participé. N'hésite pas, si tu as envie de connaître la fin, de regarder en replay. Est-ce que j'ai d'autres includes à dire? Eh ben, en fait, je pense que ça peut se configurer. Donc, pour le moment... ce que je me dis, c'est que je vais faire un vhost.d. Hop. The Vengeur qui dit dans 3 ans à peu près. Je suis pas sûr d'avoir compris. Ce qu'on va faire... Ah, la fin du projet dans 3 ans? Oh, quand même. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire ici, hop, et on va aller réutiliser notre truc là, nos variables. Dans mon item, ce serait du coup item.fqdn en fait. Hop. .fqdn. Alors, ah, Castor Génial, qu'est-ce que tu nous racontes? It's a good idea to use no log, you should also be aware of its limitations. Ça va pas empêcher le logging si Ansible debugging et... Merci Red Hat. Oh, 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 oh. Ah là là. Alors, config ça, nanana. Server name. Donc server name ici, ce sera item.fqdn. Hop, et on va rajouter www. Non, attends, il y a moyen de faire un serveur alias avec tout ça. Je vais pas mettre les... Je sais plus, attends. Ah, j'ai un trou de mémoire. Configuration Nginx. Hop. Nginx.org. Documentation. On le fait à quel endroit? On est dans server core listen port. Core module. Voilà, ça doit être dans le core module. Et dans core module, c'était le server name. Server name. Hop. Server name, non effectivement, il n'y a pas de notion de serveur alias. Donc on peut y aller et on peut en ajouter plusieurs. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est donc faire item.fqdm et www.item.fqdn. Hop. Alors. Et ici... j'avais mis quoi comme variable intéressante? 3W base, c'était serv 3W catch all, hein, direct comme ça. Dommage. Faudra peut-être que je pense à variabiliser le SRV 3W au cas où. Mais bon, pour le moment, on va le hardcoder. Hein. SRV 3W item.fqdn. et slash. C'est moche si je hardcode comme ça le répertoire log. Et là, on va faire la même. Hop. Eh mais dites donc, c'est que l'heure tourne en plus. Et on va... ce qu'on va faire... Alors pour le moment, je vais laisser ça en commentaire. Déjà, on va mettre ça comme ça. Et on va voir si ça marche. Et si jamais ça marche, on pourra rester sur une victoire. Salut à toi, Bilouret. Hop. Et ce qu'on va faire... c'est qu'il va falloir rajouter docroot direct, pas dépendant d'item. Ah, si, effectivement. Bien vu, The. Je savais bien qu'il manquait un truc. Hop, donc effectivement, ça va être SRV311, hop, public. Et en plus, il va falloir que je rajoute le petit truc concernant les items. Hop, qui est ici. Voilà. Et je vais me tenter un... je vais rajouter un tag, tiens. Allez. Hop. On va se rajouter un tag et on va pas mettre users, on va mettre un tag ici, Nginx. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais relancer mon bignou et au niveau du tag, on va dire Nginx. Voire même, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va aller mettre ça ici aussi, tiens. Et est-ce qu'on a autre chose? Non. Allez, hop. Alors, you cannot use loops on import role. Ah, you should use an include role instead. Ok. Et bah, c'est ce qu'on va faire. Hein. Include role, alors. Ah. Non plus. Notify is not a valid attribute for include role. Notify. Restart Nginx. Il en veut pas. Bah écoute, on va voir après pour cette histoire de notify. Ah mince, je me suis trompé. Ah, je me suis trompé. Donc là, on est bien en import role parce qu'il est tout seul. Mais là, a priori, celui-là, il en veut pas. Et cet import-là, il en veut pas non plus. Il faut mettre un include. Après, on verra sur l'autre. Hop. Voilà, là, il démarre. Donc là, il relance la partie... Je suis pas sûr qu'il ait fait ce qu'on attend de lui. Je suis pas sûr. Bonne soirée à toi, The. Hop. Alors, si ça se trouve, en fait, le répertoire... Alors, on va le mettre dans conf.d pour le moment. Si ça se trouve, il n'aime pas le fait que le fichier de... le répertoire n'existe pas. Je vois rien d'autre non plus. Ah, c'est dommage ça. J'espérais que ça marche vite fait. Parce qu'il met une task, create website Nginx. Bon, bah on va y aller en verbeux. Hein. Alors, viens voir ce que ça donne. Alors... Hey, merci beaucoup pour le sub, The Vengeur. Merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup pour ton soutien. C'est très gentil. Non, là, il dit rien. Alors, il y a le debug à output, mais ok. Bah, on va verboser encore plus. Hein. Hop. Ah, et puis en plus... Il n'y a pas un truc qui empêche un rôle d'être exécuté plusieurs fois par défaut. Ah, peut-être. Et ben, c'est la fête. On a un serial gifter en la personne de The Vengeur. Merci à toi, The Vengeur, d'avoir offert des subs avec à notamment bah, The Tourist et à The. L'occasion d'ailleurs de vous signaler que du coup tous ces nouveaux subs vous pouvez jouer avec des emojis spéciaux. Il y a des emojis Another Homepage, vous avez les emojis moutons. On a été bien actifs aujourd'hui, mérité. Merci beaucoup The Vengeur, en tout cas merci encore pour ta générosité et ton soutien. C'est justement ce genre de choses qui permettent notamment, alors si vous ne l'avez pas vu, le stream de dimanche, qui m'ont permis d'acheter un petit peu de matériel pour faire joujou. Le petit ventilateur, par exemple, a été acheté grâce à vous. Alors, voilà, GG. Donc, create one, task pass, meta, role complete, run handlers. Il n'y a que la clé qui t'intéresse, ok. Ah, il affiche rien. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, plutôt que j'itère, au niveau de vars, plutôt qu'au niveau de... Au niveau du... en fait, que je refasse un import. Ah mais non, attends. Include role, name. Merci beaucoup pour le flow, Charlie. Merci à toi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'itère uniquement dans les vars? On va aller regarder du côté de la doc, carrément. Ansible Galaxy. Hop. Et si je vais chercher Nginx. Nginx Core. C'était pas Nginx Config. Nginx Core, Nginx Config. Mais parce que c'est toute une collection, en fait. Voilà. Alors, ils n'ont pas des exemples ou de la documentation. Template, var, molécule. Ça me plaît, ça. Hop, alors. Alors que le bon Jeff a fait... Sérieux? Jeff Geerling a fait un rôle Nginx? Prépare un molécule. Jeff a un rôle pour tout. Ouais, mais alors... Donc, il a fait un rôle Nginx. Ok. Ouais, mais tu vois, même lui, il dit, au fait, allez plutôt utiliser le rôle Ansible officiel. Je dis pas qu'il faut que tu changes. Mais pour le coup... Pour le coup, même Geerling, il dit, au fait, vaut mieux utiliser le truc officiel. Ah! Pourtant, lui, il a un truc assez sympa comme ça. Sinon, ça serait pas le fait que je loupe avec le nom de variable item qui pète le rôle par hasard. Alors oui, The Vengeur, c'est bien ce que je compte faire. Hein. Je vais utiliser son rôle PHP. Hein. Example playbook. Ah, tiens. Ah, il fait juste une installation. Et il dit juste... Ouais, ok. Donc, je suis vraiment... Quand je vais dans la partie Nginx config, c'est vraiment là qu'il faut que j'aille. Alors, est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'un peu plus... Non, c'est pas ça. Non plus. Ouais, ça doit vraiment être dans la partie molécule, mais alors je sais pas trop. Stable push. Alors. Non plus. Je sais pas trop ce que je cherche, hein, à part potentiellement des exemples. J'aimerais essayer de voir s'il y a moyen... Enfin... Si j'ai l'impression en fait, à moins que j'itère plutôt dans à ce niveau-là en fait, je devrais peut-être déplacer mon itération à ce niveau-là en fait. J'étais en train de me dire s'il n'y avait pas des exemples quelque part, hein, mais. Hop, non. À ton avis, ça va pas marcher? Ah. Écoute, on va essayer, ça. Ça mange. C'est pas... Ah oui, effectivement, voilà. J'ai dû mal l'indenter. Je crois qu'il vaut peut-être mieux que je le mette ici. Et ça n'a pas l'air mieux en fait, hein, sauf que si a priori ça ne que je peux mettre du coup un import ici. Allez, on relance. Ah, là maintenant on a autre chose. Là maintenant on a autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est planté sur Nginx. Ça c'est pas un truc à moi. Template file. Item.fqdn. Item is undefined. Ah. Ah, c'est with items. Ah, j'entends. C'est with items ou with item? Non, c'est with items. Et à quel moment il a ronchonné? Ah mais c'est parce que ce sont des variables. Bah justement, ouais, le sect-fact intermédiaire, ça m'a l'air un peu... Définir un tableau dans les var avec un with truc slash loop. Je serais curieux, tiens, si je fais Ansible, Nginx, Nginx Roll, Generate, on va faire Loop, Configuration. Je suis pas sûr de trouver un truc, mais... Oui, bah fatalement, je tombe sur son... Ah, punaise, bon, heureusement. Ah, mais d'accord, là, eux, en fait, ils font juste leur petite template. Ouais, non, non, non. C'est pas ça qui m'intéresse. Et ils ont pas un truc... Si, là, ils ont des exemples, mais en fait... Celui-là, c'est lequel? Alors, main. SE Linux, template, upload, example, playbook. Merci d'être passé en tout cas, Eusément. Bonne fin de soirée à toi et à bientôt, j'espère. Donc là, il n'y a pas grand-chose. De toute façon, je pense pas qu'on va non plus rester très très longtemps, surtout si... Non, ça on s'en fiche. Ah, donc là, on a une configuration. Dynamic Templated Nginx Configuration Files. Ah oui, dynamique. Ah oui, non, mais ça, c'est parce qu'en fait, il fait... Ah, il fait une conf... Ok. Alors là, il a l'air de générer une config entière. Sauf qu'à aucun moment, je le vois faire de boucles sur des choses. Alors. Et The Vengeur qui continue sa... C'est Noël avant l'heure, hein, grâce à The Vengeur. Merci beaucoup à toi. Merci pour avoir offert un sub à ECMAN. Hop là. Alors, voyons voir ça. Donc, on aurait un set fact, mais config with items. En espérant qu'ils reviennent nous voir vite, ouais. On va laisser ça de côté. On va voir. Je voudrais d'abord finir de voir ça. Mais ça effectivement, ça a l'air pertinent, hein, The Vengeur. Enfin, The Tourist, pardon. The Vengeur qui file les subs et The Tourist qui file le code. Faut pas mélanger les deux. On s'y perd. Alors j'essaie de descendre assez vite, mais... Stub status, ouais. Ouais, bon, en fait... Ouais, le truc, en fait, il écrit 25 000 confs, ok, soit. Et là, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Ouais, bon. Alors, on va peut-être regarder ça, alors, un peu plus. Alors, tu disais le conf Nginx pour le site, ça devrait être ce que j'ai actuellement dans mon code. Alors, si je reprends, à l'origine, donc là il y avait un import avec des var, des variables. Ça a l'air... Alors, désolé, hein, ça fait un peu plus de 2 heures qu'on est ensemble, alors j'ai un petit coup de mou. Alors, pour toi, on mettrait carrément un set fact genre avant. Créer un tableau vide, ouais. Le second boucle sur les confs. Ok. Ah, donc a priori, ici, on serait plutôt sur un include role. Voilà, hop. Bon, je suis pas très concentré sur le stream, mais tu peux pas utiliser un include role. Bah, en fait... La question que je me pose, Alcor... Oui, on peut utiliser un loop, visiblement, mais en fait, ça ne fait rien. Si je reviens ici, en fait, voilà. En gros, Alcor, là, tu vois, j'ai un name. Alors, à moins qu'il faille que je mette le with items ailleurs. Hop. Que je le mette là, peut-être. Mais ça, on a vu que, en gros... Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Voilà. Quand je lui dis « Create website Nginx configuration », Je vous avoue que je commence à avoir un peu du mal à réfléchir. Et que dans ces cas-là, je sais pas si ça vaut le coup de se... de s'acharner. Oui, voilà, le corps, hein, t'as vu, c'est un peu creux. Hein, et pour l'instant, je suis à 2. Alors, je peux peut-être refaire une dernière. Allez, c'est jamais. Hein, avec un triple V, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, mais... Non, c'est pas mieux. The Vengeur, tu trouves plus le bouton pour offrir les subs, il est temps de s'arrêter. Oh. Non, ouais, va pas te forcer à offrir des subs non plus, hein. C'est pas le but. Plus de moins V, ouais. Verbosité maximale. Un Ralcor qui n'utilise jamais les collections, les rôles Galaxy, tu fais tout avec les built-in. Ben, à une époque, ouais, je faisais que du built-in. Et puis, quand tu vois la quantité de rôles et de collections qui sont dispo, alors autant les trucs faits par quelqu'un dans son coin, c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce qu'on doit les utiliser ou pas. Mais tu vois, quand c'est le rôle officiel de Nginx, je me dis, j'ai peut-être un peu plus confiance. Built-in Nginx, il n'y a pas, ouais, effectivement, c'est NginxInc.Nginx. Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, parce que je pense que niveau énergie, je commence un peu à être en baisse, et c'est dommage, on était bien parti. Ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là pour ce soir. De toute façon, on pourra reprendre jeudi prochain, ce n'est que partie remise. Et ce que je vais faire, c'est histoire de qu'on garde ça. Parce que là, il y a écrit, ce document va expirer dans 6 jours. C'est un peu dommage, hein, c'est un peu dommage. Ouais, je vais pousser mon code quelque part. Je vais le commiter tout de suite, même s'il n'est pas super fonctionnel. Hop, on va commiter ça tout de suite, comme ça ce sera fait. Merci beaucoup pour le follow, Lunix. Merci à toi. Allons-y. Git, ouais, être gentil. Gitad, hop. Avant le Gitad, je voulais juste faire un petit git diff, vite fait. On a rajouté création. Ok. Allez. Alors, Ansible, lemp, add users for websites. Et on va rajouter first try to generate Nginx vhost, virtualhost, on va dire. Oh bah, c'est très gentil Fixoulab, merci beaucoup pour le raid de cette personne, merci, c'est très gentil à vous. Alors, je suis un peu désolé parce qu'en fait, on commençait à faire le commit de fin de stream, mais on va être encore là quelques minutes et puis ensuite, on va aller raider d'autres gens. Alors, déjà, je vais finir mon commit. Alors, first try, virtual host, voilà. Depending, on va faire following, hop, following the users, hop, -m, update, bisous. Alors, The Vengeur, j'essaye d'être un minimum, être un peu plus, comment dire, un peu plus verbeux, on va dire. J'avais dit hop, Lab As Code, grep git, et donc j'avais fait un git check, ah d'accord, git fetch, ISP1 VPS1, voilà. Git lg, head of act, non. Comment je m'y... Ah oui, je sais comment je m'y étais pris. vu que j'arrivais pas à... Moi, j'aime stuff. Salut à toi, Axals. Merci beaucoup pour le follow, Pewty. Merci à toi. Oui, effectivement, oui, bah, quand tu écris typo après les trucs, oui, effectivement. Alors, normalement, je devrais pouvoir aller lire le commit sur mon autre endroit. Mais en fait, je vais faire comme ça. Et on va faire un petit git cherry pick. Hop, ce numéro-là. Voilà. Git /r par précaution. Ah oui, git push, hop. Normalement, le git pull. Voilà, donc, comment ça j'ai des... Comment ça j'ai des unstaged change? Modify. Oh, allez hop. Git reset, moment hard. Hein. Allez. Voilà. Git status. Ouais. Allez. Voilà. Always up to date. Enfin, already up to date. Bon. Donc, si jamais vous voulez retrouver le code, eh bien maintenant c'est très simple. Hein. Il suffit d'aller sur mon repo GitHub. Hop, voilà. Le code de ce soir est dispo. Je vais vous mettre le lien hop, dans le chat. Comme ça, vous pouvez aller jeter un œil. Et c'est dans la partie Ansible qu'on a avancé ce soir. Voili, voilou. On va pouvoir se remettre comme ça. Donc, bah merci de m'avoir suivi dans ces aventures. Merci pour votre aide. Elle m'a été franchement précieuse. J'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. Avec, j'ai envie de dire, autant d'enthousiasme, parce que c'était franchement sympa. Merci beaucoup pour le follow, Xals. Merci à toi, c'est très gentil. Voilà, c'est ça. Ça va être l'heure de se dire bonne nuit. Avant de se dire bonne nuit, bah, n'hésitez pas à passer, soit regarder les replays, alors soit ici, soit pour les très anciens replays sur ma chaîne YouTube. Je stream habituellement les jeudis et les dimanches. Les jeudis de 20h à 22h. On a un petit peu dépassé ce soir. Et le dimanche de 18h à 20h. Je fais pas la même chose les jeudis et les dimanches. Comme ça, ça permet de garder un petit peu de diversité. Ce qui est assez sympa. Là, ces derniers temps, le dimanche, après avoir fait quelques captures the flag, on s'était amusé un petit peu plus côté hardware en changeant le ventilateur d'un mini PC. Et sinon, bah, les jeudis, je continue mon Lab As Code. Christophe, il n'y a pas de souci si tu captes pas tout. Sache que tu peux toujours poser des questions. Et c'est pas grave si tu prends le live en cours de route. Donc j'espère que ça t'aidera à toi aussi à creuser le sujet. Et on a Xals qui visiblement est aussi un expert en Ansible qui fait ça depuis presque 10 ans. Bravo à toi. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, mais... avant de s'en aller, est-ce qu'on n'irait pas aller voir Top Clean? On va aller voir Top Clean pour finir la soirée. Ils sont Kubernetes depuis 20 ans, j'aimerais voir ça, tiens. On va aller voir Top Clean, on va aller lui faire un petit raid. Je pense que ça va lui faire plaisir. Comme d'habitude pour les raids, à un moment, moi, je vais mettre la page de fin de stream, mais restez. C'est juste le temps de lancer le raid. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, je vous dis à bientôt, soit à dimanche, soit à jeudi prochain, et puis sinon, n'hésitez pas à revenir sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao!